Bonjour à tous, voilà pour une nouvelle vidéo de la semaine. Mais ça ne sera pas une vidéo de la semaine, ça sera la vidéo de l'année. Ça veut dire que c'est le tour qui nous a plu le plus, qui nous a fait le plus... On n'a même pas fait de vidéo tellement on est pressé de vous la montrer. C'est pas une mystery box, donc si vous regardez le début du tour et que vous dites « Ah, c'est une mystery box, je connais, donc c'est pas la peine que j'aille jusqu'au bout. » Non, c'est pas que ça. C'est une master prédiction. Avant de vous la montrer, c'est quoi une master prédiction? La master prédiction, c'est normalement une grosse boîte qui est sur scène, pendue depuis le début du spectacle. Tout le monde la voit, il y a un spectacle qui se déroule, du mentalisme ou ce que vous voulez, mais la master prédiction, elle est pendue et tout le monde la voit. Personne n'y touche puisqu'elle est inaccessible. Et pendant tout le déroulement du spectacle, il se passe des choses, on peut poser des questions, on peut faire plein de trucs. À la fin, on prend la master, on la descend devant tout le monde, on ouvre et à l'intérieur, il y a un tube et à l'intérieur de ce tube, un papier. Et dans ce papier, sur ce papier, c'est écrit tout ce qui s'est passé, des prédictions, tout ce qui s'est passé dans le déroulement de la soirée. C'est écrit à l'avance déjà sur ce papier. Ce qui est carrément impossible, c'est pour ça que tous les magiciens le font, tous ceux qui font de la scène ont envie d'une master parce que le tour est génial. Donc sur scène c'est génial et nous on a voulu le faire en close-up. C'est pour ça qu'on a fabriqué cette petite boîte et à l'intérieur il y a un petit papier. Ok? Et sur ce petit papier, il y aura écrit tout ce qui va se passer dans le déroulement de votre close-up. Donc je vais vous expliquer parce qu'après il a fallu, une fois qu'on a imaginé ça, il a fallu créer quelque chose pour arriver à ce résultat et pour que ça soit net. Donc je vais vous faire un déroulement de la routine. Vous avez un jeu de cartes en main et vous dites à quelqu'un, une petite boîte, je la mets là, on verra tout à l'heure. Je vais vous donner la chance de réaliser un vœu. Donc dans ce vœu, c'est simple, vous allez choisir un acteur que vous aimez bien, ou une actrice, ou votre voisine, ou la belle-mère, ce que vous voulez, une personne que vous aimez bien. Avec cette personne, vous irez dans un pays que vous aimez bien, d'accord ? Puisque vous allez partir en vacances, je vais peut-être vous donner la chance de partir. Et vous allez dormir dans une chambre bien précise, mais qu'on ne connaît pas, parce que comme il y a des paparazzi, ça sera une chambre secrète avec un numéro. Mais là, il y a des cartes, je les étale. Et sur ces cartes, vous ne les voyez pas, vous voyez le dos. Vous allez en choisir une ou deux, comme vous voulez. Et ça va, ou trois, et ça va composer le numéro d'une chambre. D'accord ? Vous les tirez, vous les mettez sur le côté, on ne les regarde pas. Et moi, je prends un morceau de papier et là, je vous dis avec quelle personne vous aimeriez partir en vacances. La personne me dit Johnny Hallyday, on marque. C'est... Bon. C'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Elvis Presley. C'est un mauvais exemple aussi. Non, allez, on va prendre... Allez, David Copperfield, parce qu'on est dans les magiciens. Et vous avez la chance de partir, madame, avec David Copperfield. Donc, hop, j'écris David Copperfield. Ensuite, vous irez dans quel pays? Allez... New York ou ce que vous voulez, Australie. Allez, Australie. Je plie tout ça et je le pose sur la table. D'accord? La chambre, je ne la connais pas puisque c'est secret. C'est les paparazzis, ils auraient pu savoir, donc ça reste secret. Et je prends ce papier, je le brûle parce que vous savez que les bouddhistes, pour faire des vœux, ils prennent de l'encens. Ils font d'abord un vœu et après ils prennent de l'encens et ils brûlent. Et ils le posent, et peut-être que leur vœu se réalisera dans le courant de l'année ou le plus tôt possible. Et c'est ce qu'on va faire. Donc je prends le papier, je le brûle, il s'en va en fumée. Mais pour l'instant, vous allez me dire, il n'y a rien de magique. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que le vœu, s'il se réalise, c'est très bien. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que hier, j'ai fait moi aussi un vœu, parce que j'y ai droit. J'ai brûlé mon encens, j'ai fait tout ça. J'ai fait un vœu et j'ai choisi aussi un acteur avec un pays et un numéro de chambre. Et je l'ai mis là-dedans. Donc je montre la boîte avec ce fameux papier. Je le fais tomber dans ma main. Hop. Une fois que le papier a disparu, est tombé dans la main, je l'ouvre. Et là, il y a marqué. Un acteur, c'est exactement celui qu'elle a choisi. Un pays, c'est exactement le même pays. Et un numéro de chambre. Et si on regarde les trois cartes, ça va former un numéro de chambre ou une carte, ça forme un numéro de chambre. Et c'est exactement le même numéro que j'avais mis dans ma boîte auparavant. C'est pour ça que l'idée est bonne. On a trouvé une façon d'amener la chose. Je crois que Jérôme, il a envie de prendre la parole. Non, non, c'est bon, je dis bien tout ce qu'il faut. C'est bien. Bien amené comme il fallait. Donc, c'est vraiment très très bon.
parce que ça fait un tour de close-up qui est fait d'abord sur scène et qui est plaisant, parce que le déroulement de la routine comme elle est tournée, c'est pas mal. Ça c'est vraiment un effet hyper magique pour les gens. Et c'est rapide, c'est du mentalisme rapide. C'est du mentalisme rapide, tout à fait. On a prévu plein de routines, donc on vous les dira dans les explications. Et en plus qu'elle fait ça, elle fait aussi Mystery Box. Ça veut dire que vous pouvez faire le tour de la fameuse carte choisie, signée, disparue. On ouvre la boîte, la carte est à l'intérieur, on la fait tomber et boum. Donc voilà, elle fait Mystery Box, elle fait Master Prédiction, elle fait tout, sauf le café. Alors pour conclure, comment c'est arrivé cette histoire, j'ai montré la Mystery Box à Ali par exemple. C'était une rouge ou bleue, je ne me rappelle plus. Et il a trouvé ça génial, on en a discuté, il a dit que du bien. Et d'un seul coup, il m'a dit, mais on pourrait faire autre chose qu'une carte rouge, une carte bleue, pourquoi pas un papier. Ça lui est sorti tellement naturellement qu'on a approfondi le sujet. Et à la fin, pour moi, c'était une évidence, parce que j'adore faire la master prédiction et le faire en close-up, pour moi, c'était une évidence. Mais il manquait des petits bouts. Comment faire pour ceux qui connaissent, ils comprendront ce que je veux dire, comment faire pour arriver à ça. Et Jérôme, il voulait même pas entendre parler. Je l'ai assis en face de moi, je me suis mis là, exactement là, et je lui ai expliqué mon déroulement de ma routine, les gestes que j'avais envie de faire. Et pour lui, il a dit, mais ça a duré une fraction de seconde, mais regarde, attends, il m'a fait un machin avec son ciseau, il m'a dit voilà. Et j'ai dit, ben vas-y, va plus loin, et il me montre. Et au moment où il fait, il me dit, mais c'est énorme, parce que ça se fait tout seul, on arrive à un résultat énorme, et ça lui a plus plu à lui qu'à moi, que j'étais déjà plus emballé que lui au début. Et du coup, on a peaufiné la routine, les gestes, et ça se fait tout seul. C'est-à-dire, vous prenez le jeu, vous le posez, vous prenez la boîte, vous faites tomber, ça se fait naturellement, et le tour, il devient énorme. Donc n'hésitez pas, ça s'appelle la Mystery Master Prédiction. Parce qu'elle fait les deux. Allez voir aussi la Mystery Box tout simple en rouge ou la Mystery Box tout simple en bleu. Ça, vous avez dû comprendre ce que c'était. Mais il y en a qui passent à côté de celle-ci qui fait rouge et bleu. Elle fait deux tours, mais ce n'est pas avec un bicycle rouge ou un bicycle bleu. Elle peut faire une routine supplémentaire où vous faites un coup choisir une carte rouge. Elle se retrouve dans la boîte. Vous refermez la boîte. Vous refaites choisir une carte une nouvelle fois dans un jeu rouge, mais elle se retrouve dans la boîte avec la signature du spectateur, mais avec un dos bleu. Donc on peut aller plus loin et on peut trouver d'autres idées. Voilà, ça c'était la présentation de la Master Mystery Box. Faites-vous plaisir, pour moi c'est le tour de l'année. À tout bientôt. Merci Ali, merci Jérôme et merci à toute l'équipe.